Allez, 5.5. Je vais m'éclater. Ah, son tour de galérer. Pick up the pace 3. Nous avons 4 modules à désamorcer. Sans droit à l'erreur. Et nous avons, tiens-toi bien, 1 minute 30. Ah, la vache. Ouais, comme tu dis. Là, du coup, on attaque l'épisode 8, du coup. Enfin, préciser pour le YouTube. Et j'adore la description, pas le temps. C'est le générique de Prison Break. J'ai pas le temps. Mon esprit. Préparation. Explose ailleurs. C'est ça. Vas-y. Préparation mentale. À la 1, à la 2, à la 3, canard. Ouais, canard. Ou autruche. Ouais. Pas de truc trop chiant, on a 1.30. C'est-à-dire qu'il te fout un diagramme de veine, tu vas voir. Et nous avons... Ok, ça va être rapide. Symbole. Symbole... Ils sont où là? Voilà, je t'écoute. Alors, TB. Étoile noire. C à l'endroit avec un point et symbole de paragraphe à l'envers. Étoile noire, timbole... Timbole. Étoile noire, TB... Symbole de paragraphe à l'envers, et c'était quoi l'autre? Et C avec un point. Ok, alors TB. Ouais. C avec point. Ouais. Paragraphe. Ok, bouton jaune marqué hold. Est-ce qu'il y a plus d'une pile sur la bombe? Ouais. Ah non, c'est marqué detonate. Est-ce qu'il y a plus de 2 piles sur la bombe? Ouais. Est-ce qu'il y a un indicateur allumé avec la mention FRK? Non. Bouton jaune, appuie sur bouton et maintien. Bande blanche. Lorsqu'il y a un 1. 6 fils horizontaux, 5 fils horizontaux de base. 5 fils. Ouais, est-ce que le dernier fil est noir? Non. Est-ce qu'il y a exactement un fil rouge? Non, il y en a 3. Est-ce qu'il y a pas de fil noir? Non, il y en a pas. Coupe le deuxième fil. Bon, il reste un 6 mois à faire en 15 secondes. On a pas de faute, il y a pas de faute, une voyelle, loupiote bleue. Alors bleu, flash bleu, rouge. Ouais, ça va péter, ça va péter. Ah. Ça va péter. Fire in the hole. Ouh, t'as 1 minute 30, ça passe super vite, dis donc. Ah, c'était le dernier module, le Simon. Ouais, c'était le dernier. Allez, retry. Si je vois un Simon, je pense qu'on va commencer par ça. Ok. Oh putain, un memory. On va faire le memory tout de suite. J'ai un 4. Alors, 4, 4ème position. Ok, c'est un 2. 4, 2. Ensuite, j'ai un 1. Libellé 4. 4ème position. 4, 2, 4, 4. Ensuite, un 4. Numéro 4. 4, 2, 4, 4, 2, 4. Ok. Ensuite, un 1. Même position que étape 1. 4, 2, 4, 4, c'était un 2, et enfin j'ai un 3. Même libellé 4, l'étape 4. C'est un 2, c'est validé. Ensuite j'ai des symboles, et Yononante, bah, écoute, merci d'avoir donné l'idée. Alors en symbole, j'ai un lambda, une espèce de paire de fesses aplaties, un symbole copyright et une étoile blanche. Copyright, étoile blanche... les fesses écrasées. Ouais, ok, alors copyright. Ouais. Fesses écrasées. Ouais. Lambda. Ensuite, bouton rouge marqué presse. Est-ce qu'il y a plus d'une pile sur la bombe? Ouais. Est-ce que le bouton est marqué... Non, detonate, tu m'as dit. Non, presse. Presse... Ok, donc ouais. Est-ce qu'il y a plus de 2 piles sur la bombe? Ouais. Est-ce qu'il y a un bouton allumé avec mention FRK? Non. Bouton rouge, non, donc non, appuie et maintien. Boum. Ah. Boum boum boum. C'est un peu le bazar les boutons là. Allez, on va y arriver. Bon, moi, ça qui met 1 minute 30, les tentatives sont rapides. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je regarde déjà s'il y a un truc avec un écran que je pourrais voir. Oh putain, ils sont sérieux du morse. Ah. Fuck la Mother. 3 fils de base. Ok, 3 fils. Est-ce qu'il y a du fil rouge? Non.
coupe le deuxième. Bouton blanc marqué aborte. Bouton blanc, est-ce qu'il y a plus d'une pièce sur la bombe? Ouais. Ouais, mais on s'en fiche. Bouton est blanc, est-ce qu'il y a un indicateur allumé avec la mention car? La mention car, non. Est-ce qu'il y a plus de deux pièces sur la bombe? Il y a exactement deux piles. Ok, donc c'est, tu m'as dit, c'est un blanc à bord, hein. Ouais, avec une... Bah, dans ce cas, tu maintiens. Bande rouge. Bande rouge, bande rouge, bande rouge. Relâche, machin, à 1. N'importe où. Ok, symbole. Ok. Alors, symbole, trident, chandelier. Symbole paragraphe ouais. À l'envers. Smiley qui tire la langue, étoile noire. Le trident, il est où le trident, s'il vous plaît? Oui. Ah voilà, trident. Ouais. Smiley. Ouais. Tu peux me dire les deux autres vite fait? Étoile noire et symbole de paragraphe à l'envers. Paragraphe. Bon, 13 secondes pour le morse, je vais tenter un truc à la zob. Allez, on va tester ça. Ça a pété. Non, parce que le temps que je comprenne, les 13 secondes auraient été écoulées, donc j'ai tenté le truc à la zob. Allez. Et la chanson est en train de tourner, j'ai l'impression. Hein. Allez, reste 1 minute 30, qu'est-ce qu'on a? Ok, ça devrait être rapide, j'ai un Simon. Avec... Et nous avons eu... Or, pas de faute, une voyelle, et la première loupiote est bleue. Alors, rouge. Bleu, jaune. Rouge, vert. Ok. Bleu, jaune, rouge. Rouge, vert, bleu. Bleu, jaune, rouge, rouge. Rouge, vert, bleu, bleu. Fesse écrasée, miam. Lol, Brian, et merci pour les bits. Alors, bleu, jaune, rouge, rouge, bleu. Alors, rouge, vert, bleu, bleu, rouge. C'est bon, bouton jaune marqué aborte. Bouton. Est-ce qu'il y a plus de deux pieds sur la bombe? Non, il y en a une seule. Bouton jaune, appuie sur le bouton, maintien. Bande blanche. Blanche, lorsqu'il y a un n'importe où. C'est bon. Symbole. Vas-y. Alors, un espèce de HK très bizarre. Point d'interrogation à l'envers, 6 écrasés et smiley qui tire la langue. Tu peux me redire les deux premiers? HK et... Ah. Non, niveau... Non, je t'assure que je cheat pas, le manuel il est réduit, y a aucun cheat, t'inquiète pas. C'est pas le genre de la maison de tricher. Bah, et puis en plus ça n'aurait vraiment aucun intérêt là. En plus. Bon, tentative N plus 1. Alors, nous avons un Simon et... Il y a une voyelle dans le numéro de série et la première loupiote est bleue. Ok, rouge. Bleu, bleu, donc rouge, rouge. Ouais. Bleu, bleu, jaune. Rouge, rouge, vert. Ok. Bleu, bleu, jaune, jaune, donc rouge, rouge, vert, vert, si ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est validé. Ouais. Bouton rouge marqué aborte. Est-ce qu'il y a plus de deux piles? Il n'y a pas de piles. Bouton rouge, tu m'as dit? Ouais, bouton rouge aborte. Ok, donc non, maintien enfoncé. Bande blanche. Lorsqu'il y a un n'importe où. Je peux attendre jusqu'à 31. Ok, 6 fils horizontaux de base. Est-ce qu'il y a un fil jaune? Ouais. Est-ce qu'il y a exactement un fil jaune? Ouais. Est-ce qu'il y a plus d'un fil blanc? Non, il y en a un seul. Est-ce qu'il y a un fil rouge? Il y en a deux. Ok, coupe le quatrième fil. Symbole, vite. Alors, raquette de ping-pong. C à l'envers avec un point, lambda et l'électrocardiogramme. Oui, alors raquette. Oui. Lambda. Oui. Électrocardiogramme. NON! Putain, ça a pété! Ah!
Deux secondes de plus, il me fallait deux secondes de plus, nom de Zeus. Ah, elle est anxiogène cette bombe, sérieux. Et puis du coup, pour deux secondes, on est en apesanteur. Oh putain, sérieux mec. Il est con ce type, il est con. Bon, qu'est-ce qu'on a? Oh putain, ils sont sérieux. Bon, bouton blanc marqué hold. Alors, blanc... Est-ce qu'il y a un indicateur allumé avec mention car? Non, il est éteint. Est-ce qu'il y a plus de deux piles sur la bombe? Non. Est-ce que... Blablabla... Tu m'as dit blanc hold, hein, c'est ouais, ça? C'est ça, c'est ça. Maintien enfoncé. Bande blanche. C'était un... Je m'en souviens, c'était un bouton bleu abort. Bouton bleu abort... maintien. Bande jaune. Lorsqu'il y a un 5 n'importe où. C'est bon. 6 fils horizontaux de base. Ok. Est-ce qu'il y a un fil jaune? Non. Est-ce que le dernier chiffre du numéro de série est impair? Non. Est-ce qu'il y a exactement un fil jaune? Non, il n'y en a pas. Ok. Est-ce qu'il y a un fil rouge? Oui. Quatrième fil, coupe. Ok. Mot de passe. Oula, oh la vache. Il reste 24 secondes, allez. I, U, Q, T, V, K. Pour la première lettre. Ok, deuxième. T, V, X, H, G, S. Ok. Ah bah il y aura pas le temps là. Ouais, il reste 5 secondes. Non bah c'est bon. Alors s'il n'y a pas un éclair de génie, mais je suis... Ouais, pour pas. Ouais, non, là... Putain, mais le ouais. Les mecs, le morse et le mot de table. Mais c'est vraiment des modules à la con, hein. Bon. La huitième fois sera la bonne, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, le morse. Commence par le morse, ok. Ouais. Alors, j'ai un court, un long. Un long. Trois courts. Alors, attends, un court, un long. Ouais, un court, un long. Attends, un long. 3 cours, un cours, un long. Ça commence par un long, c'est ça? Ouais. Alors à ce moment-là, il faudrait tester 3532. Parce qu'un long c'était, il y a que Trick qui commence par T. Au moins ça a le mérite d'être rapide, et ça dégage le module que je supporte pas. Dimanche prochain, toujours sur la même bombe, Pray for Babu et Nogma, lol. Not bad, not bad. Ok, labyrinthe. Ok. Alors, les points verts. Tout en bas, quatrième colonne. Tout en bas, quatrième colonne, ouais, je l'ai. Troisième ligne, cinquième colonne. Ok, j'ai. Point blanc, deuxième ligne, quatrième colonne. Deuxième ligne, quatrième colonne, ok. Point d'arrivée, cinquième ligne, deuxième colonne. Cinquième ligne? Ouais. Et deuxième colonne, tu dis? Ouais. Et donc ça, c'est l'arrivée? Oui, c'est l'arrivée. Alors, tu vas à gauche jusqu'au mur? Ouais. En bas? Ouais. À droite? Ouais. En bas? Ouais. Droite, droite? Ouais. Bas? Ouais. Gauche, 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 gauche. Ok, symbole. Alors, trident chandelier, symbole de paragraphe à l'envers, 3 avec une queue de serpent, et le smiley qui tire la langue. Paragraphe et trident, ok. Tu peux me redire les deux derniers? Smiley qui tire la langue, et le 3 avec une queue de serpent. Ok, donc trident, ouais. Smiley, ouais. Paragraphe. Ok, ensuite toujours des symboles, C inversé avec le point, infogramme, Kellogg's, étoile blanche. Alors C inversé. Ça a pété. Ah. Ça a pété. J'adore comme on a toujours le truc qui nous prend shit tonne de temps, puis après tu veux speeder, mais tu. Nope. Welp. C'est pas 9e fois sera la bonne. C'est ce qu'on dit, hein, jamais 910. Oh putain.
Oh ils sont sérieux, symbole. Symbole. Infogramme, c'est inversé avec le point, étoile blanche, raquette de ping-pong. Alors c'est inversé. Ouais. Non, infogramme. Ça fait bou- c'était pas ça. What? Ah oui, bah oui, raquette de ping-pong en premier, ouais. Oh. C'était rapide, hein. C'était rapide. Autant pour moi. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur le C, je sais pas. Bon bah jamais 910 du coup. Tu vois, je l'avais dit en plus, tu vois, j'avais dit. Non mais le mec quoi, le mec. J'avais prédit mon propre fail. Ok, c'est quand même bon. On reste sur les symboles. Ok. Le 3 estropié. Ah oui, c'est ça, ouais. Le lambda. Ouais. L'étoile blanche. Et le, ouais. Et le copyright. Alors copyright. Ouais. 3 estropié. Ouais. Lambda. Ok. Ensuite, bouton bleu marqué presse. Alors, bouton... Non, est-ce qu'il y a plus d'une pièce sur la bombe? Non. Donc, je suppose qu'il n'y en a pas plus de deux. Non, maintiens. Bande jaune. Relâche lorsqu'il y a un 5 n'importe où. Oh putain, t'es sérieux, j'ai relâché 5 centièmes trop tard. J'ai relâché 5 centièmes trop tard. Au moment où je l'ai relâché, et il restait 49 secondes 91. Ça, mesdames et messieurs, observez, admirez ses performances. Moi j'appelle ça un fail, gros. Hein. Ok, labyrinthe. Oula, ok. Alors, labyrinthe. Point vas-y. Vert, tout en bas, quatrième colonne. Tout en bas, quatrième. Ouais, j'ai. Troisième ligne, cinquième colonne. J'ai, ouais. Le point blanc, cinquième ligne, deuxième colonne. Cinquième ligne. Deuxième colonne. Et le point d'arrivée est dans le point vert qui est tout en bas. Ok, donc en bas. Ouais. Droite, droite. C'était rapide. Symbole. Alors, en symbole, Pac-Man qui fait le grand écart. Ouais. Le 6 écrasé. Ouais. Le trident chandelier et le AE. Ok, 6 écrasé. Ouais. AE. Ouais. Trident. Ensuite, 6 fils horizontaux de base. Est-ce qu'il y a un fil jaune? Il y en a 2. Est-ce qu'il y a un fil rouge? Ouais, il y en a 3. Alors, coupe le quatrième. C'est bon, bouton jaune marqué abort. Ok. Est-ce qu'il y a plus de 2 pieds sur la bombe? Il y en a exactement 2. Bouton jaune, appuie et maintien. Bande jaune. Lorsqu'il y a un 5. On va y arriver. C'est bon! Oh. Il restait 5 secondes 70. Voilà, on a réussi du premier coup au bout de 10ème essai. Et top 74% avec 5 secondes restantes, mec. GG. Comme quoi, c'est pas si évident comme bombe, hein. Ah ouais, elle était violente, celle-là. En tout cas, merci pour les GG dans le chat, là. Je pense que... Merci, je pense, ouais. Je pense qu'on les a pas volés, ceux-là. La dixième était la bonne, c'est ça. Et du coup, on arrive à la dernière bombe de la section 5. Oh putain, on a débloqué la session, la section 6. Je viens de voir les mots quand même. Pick up the pace 4, juggler, double trouble, et la dernière de la section 6, elle s'appelle I am hardcore. Ah ouais. La I am hardcore, t'as 5 minutes pour désamorcer 11 modules. La vache. Ah bah attends, regarde tel que tu vas faire la 5.6. Des sections en tout, il y en a 7. Donc on a bien bossé là. La bombe que va faire l'ami Ogma est la suivante. 5.6, one with everything. Tu as 6 minutes pour désamorcer 11 modules. Ah vache. Mais je pense que du coup il doit y avoir un module de chaque, si j'ai bien compris le type de la bombe. Ouais, j'ai l'impression, parce qu'ils disent un vrai travail d'équipe qui demande les compétences de faire de tout. Le pick-up 4, c'est moi qui le fais. Oh putain, ça va être marrant, ça. Bon, je pense qu'à mon avis, c'est la dernière bombe qu'on fera aujourd'hui. Parce qu'il est quand même 6h-20. Allez, on a 20 minutes pour essayer de la faire. Donc la 5.6. Je suis pas convaincu, mais je pense
qu'on peut arriver à défourailler du pimpon chatoyant sa maman, la pâque islandaise, enroulée sous cellophane ou quelque chose comme ça. Tout à fait, en tout cas on peut essayer. Et Zenkichi qui te recommande de ne pas jouer au loto. T'inquiète, j'ai abandonné il y a bien longtemps ça. Bon, quand tu veux. Ok, one with everything. Bon, je vais gagner du temps, je vais jouer au Morse. Bah si c'est One with Everything, il y a 11 types de modules, et il y a forcément le Morse. Celle-là, il n'y a plus assez de face sur la bestiole. Attends. Bah oh. Techniquement, il y a 12 cases, dont une est occupée par le chrono, donc tout le reste, c'est des modules. On va dire qu'il n'y a pas de piège. Ouh la vache. Il n'y a pas de midi, il n'y a rien du tout. Oh là. Ça va être fun. Ah bah, je t'écoute, le morse. Alors, j'attends que ça recommence. 3 essais en 20 minutes ou plus si on fait tout péter. Ça commence par 3 cours. Ensuite... 3 cours, ok, ouais. Attends, je vais attendre que ça recommence. Il y a plusieurs trucs qui pourraient passer. Ça isole déjà plusieurs mots. Cours. Un cours, un long. Un cours, un long. Soit ça, soit deux cours. Et c'est pas... Soit deux cours. En fait, les trucs, c'est que ça fait des choses différentes. Essaye 3582. Non. Eh hé. 3522. C'est ça. Ok, c'était slick. Allez, diagramme de veine, comme ça on est tranquille. Ok. Alors, fil blanc, sans LED, avec étoile. Coupe. Fil bleu, avec LED, avec étoile. Bleu, LED, étoile. Donc ça, plus ça, plus ça, c'est là. Est-ce qu'il y a plus de deux piles? Deux piles ou plus. Oui. Plutôt. Coupe. Alors, bleu et rouge, avec LED, avec étoile. Ok, donc c'est le pack complet, les 4 se croisent. Bah si c'est coupé, si 2 piles ou plus, donc coupe. Non. Est-ce qu'il y a un port parallèle du coup? Bah non, bah du coup c'est faux, on s'en fout, continue. Ouais. Blanc et bleu avec LED sans étoile. Bleu plus LED, donc c'est ça plus ça. Est-ce qu'il y a un port parallèle? Oui. Coupe. Ok, et sans faire exprès, j'ai coupé l'autre. Un blanc sans LED avec étoile. Coupe. Ok, donc c'est validé grâce à mon fail. Ensuite, j'ai un labyrinthe. Allez, go labyrinthe. Là, faut pas qu'on hésite, faut qu'on enchaîne. Alors, premier point vert, cinquième colonne, troisième ligne. Colonne, troisième ligne, ouais. Je le vois. Donc, deuxième point vert, dernière ligne. Quatrième colonne. Ok. Le point blanc, il est tout en bas à gauche. Ouais. Et le triangle rouge, il est dernière ligne, quatrième colonne. Il est sur le point vert en fait. Ouais. Ok, tu vas trois fois en haut. Ok. Une fois à droite. Ouais. Une fois en bas. Ouais. Deux fois à droite. Ouais. Une fois en bas. Ouais. Deux fois à gauche. Ouais. Une fois en bas. Ouais. Deux fois à droite. Ok, c'est bon. Mot de passe, tant qu'on y est. Ok. Mot de passe, première lettre, t'es prêt? Ouais, vas-y. Alors, C, G, E, V, W, Q. Ok, deuxième. N, A, S, M, H, B. Ok, troisième. R, J, Y, W, E, B. B ou P? P. P, ok. Alors, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de V, il n'y a pas de. Non, pas de V, il n'y a pas de Q. Il n'y a pas assez, y a pas de B, mais ça marche pas. Il n'y a pas de. S'il y a un H, il n'y a pas de M. Est-ce qu'il y a un S quelque part en deuxième? Non. Il y a peut-être un A. Attends. Probablement pas de N non plus. En troisième, il n'y a pas de J, il n'y a pas de Y, il n'y a pas de W. Donne-moi la quatrième lettre, j'ai une idée du mot.
Alors, T, K, Z, R, N. Essaye Where, W-H-E-R-E. Ouais, c'était ça. File à la suite, comme ça on est débarrassé des trucs chiants. Putain ! On a le temps d'en faire combien ? Je sais plus. Moins de la moitié, je dirais. Ouais, un truc comme ça, soit la moitié, soit un de moins, je sais plus. Bon, bah je vais repartir aux morses, hein. Time run out, ouais. Je sens qu'on va être bloqué longtemps sur celle-là. En même temps, tu me diras, on se rapproche de la fin, on approche de la section extrême, donc. Le bazar, c'est un bootcamp, quoi. Ah oui, non, mais là, c'est limite, t'as le chargeur qui est là, go, 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 go. C'est ça, en plus, avec le morse, tu sors de là, tu peux aller au Vietnam NP, quoi. Bon, bah, vu le contexte actuel, tu vas plutôt en Palestine, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez. Retry. Retry. Because it's the bomb. Ok, bon jeu au morse, hein. Ouais, vas-y. J'attends que ça recommence. Alors, deux... Un long... Ouais, ok... Y'a rien qui commence par ça. Attends. Ah non, en cours. Comment ça, court, court, long, court, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Première lettre, c'est ça, a priori. Court, long, court. J'ai pas dans ma liste. J'ai pas ça dans ma liste. C'est, je sais pas. Ouais. Première lettre, je vois court, court, long, court. Je peux pas t'en dire plus. Court. Ah si, c'est ça, d'accord. 3555. C'était ça. Ok, ça c'est le seul. Ok. Diagramme de veine, parce que c'est celui que j'ai après. Ok, diagramme de veine. Alors, sans LED avec étoile bleue. Donc juste bleu et étoile en fait. Ouais. Bleu est là, étoile est là. Ne coupe pas. Ok, blanc partiellement, rouge avec LED. Sans étoile. Rouge avec LED, coupe. Blanc sans LED avec étoile. Juste étoile, coupe. Bleu partiellement rouge avec LED sans étoile. Donc bleu, rouge, LED. Donc c'est ça, plus ça, plus ça. Les trois là se recoupent ici. Est-ce qu'il y a deux piles ou plus sur la bombe? Attends, attends, attends. Wait, non, non, wait. T'as dit bleu, rouge et LED, c'est ça? Ouais. Non, est-ce que le dernier chiffre du numéro de série est pair? Pardon. Le numéro de série, c'est un 9, je crois. Donc ne coupe pas, ne coupe pas. Ne coupe pas. Ok, rouge sans LED avec étoile. Rouge plus étoile, c'est ça, plus ça, coupe. Ok, c'est validé. Ok, file à la suite. Ok, alors bleu. Bleu B. Bleu. A ou C? Rouge. C. Rouge. Ouh, et 90 qui s'abonne, merci bro. Merci. Ensuite tu disais? Rouge. B. Ok. Et noir. Users. A, B ou C? Noir. A ou C? Bleu. B. Ok. Noir. B. Noir. A ou C? Ok. C'est validé. Ok. T'as la labyrinthe ensuite? Ouais. Alors, point vert. Troisième colonne, deuxième ligne. Troisième colonne, deuxième ligne. Ouais. Deuxième point vert, cinquième ligne, première colonne. Ok. Point blanc, deuxième ligne, première colonne. Ouais. Triangle rouge, quatrième colonne, deuxième ligne. Quatrième colonne, deuxième ligne. Ok, attends, quatrième colonne, deuxième ligne. Ok. Les deux sont sur la deuxième ligne en fait. Ouais. Alors, une fois en bas. Ok. Deux fois à droite. Ouais. Haut, droite. Ok. Ensuite. Mot de passe. Ok. Première lettre, t'es prêt? Ouais, vas-y. Alors, E, G, U, I, S, D. Ok, deuxième. Alors, W, L, M,
A, B, F. Ok, troisième. Alors, F, A, J, L, C, S. Ok. Alors, déjà, il n'y a rien qui commence par un Q, ni par un I, ni par un D, donc ça retire trois lettres pour le début, c'est génial. Ensuite, il n'y a pas de W en deuxième. Est-ce qu'il y a un L quelque part en deuxième? Oui, mais c'est pas pour une lettre qui correspond. Le M, là, par contre, ça pourrait aller... donne-moi la quatrième lettre, j'ai peut-être une idée. Alors, E, S, L, G... Essaye small. Small, SMA2L. Ouais, c'est bon. Suivant. Tu veux quoi? Le premier qui vient, memory, tiens, allez hop. Ok, alors j'ai un 4. Ok, quatrième position. 2. Ok, ensuite. 4. Même position qu'à l'étape 1, donc quatrième position, et c'est quoi? 3. Ok, ensuite. 1. Même libellé qu'à l'étape 2, donc un 3 qui est en 20ème position. Première. Ok, ensuite. 1, 1. Même position qu'à l'étape 1, donc 4ème position, et c'est quoi? 1, 2. Ok, et enfin 2. 2, même libellé qu'à l'étape 2, donc un 3. Ok. Who's on first, si tu... oui, Simon, ça marche aussi. Est-ce qu'il y a une voyelle dans le numéro de série? Numéro de série, oui. Ok, loupiote. Vert. Jaune. Vert, rouge. Jaune, bleu. Vert, rouge, rouge. Jaune, bleu, bleu. Vert, rouge, jaune. Jaune, bleu, bleu, vert. Vert, rouge, rouge, jaune, vert. Jaune, bleu, bleu, vert, jaune. Ok, c'est bon, le who's on first, il reste 10 secondes. Putain. Ah, c'est cramé là, je pense. C'est quoi pour la dernière tentative, on va mettre en œuvre ce qu'ils ont dit dans le chat, on commence par les trucs simples, genre les fils, le bouton, enfin on rend en difficulté croissante. Si tu veux, comme tu veux. Bah c'est une manière comme une autre, j'ai envie de dire, on peut tester, ça coûte rien, je veux dire, il nous reste... c'est probablement la dernière tentative qu'on fera aujourd'hui, donc... Ouais, on peut essayer. Ouais. Autant tester. Ah, ok, alors 3, 2... Retry. Donc on va commencer par les fils, tiens, allez hop, les fils de base, c'est très bien. Fils de base? Ouais. Un fil de base, j'en ai deux. 3. Est-ce qu'il y a un fil rouge? Non. Coupe le deuxième fil. Ok. Bouton, est-ce que tu en as un? Bouton. Les symboles? Non, juste bouton avec bouton, un truc bouton jaune aborte. Jaune aborte. Bouton jaune, bouton jaune, bouton jaune, bouton jaune. Maintiens enfoncé, donne-moi la couleur de la bande. Rouge. Relâche quand il y a un 1 dans le compte à rebours. Ok, je dois attendre 7 secondes, presque 6 secondes. 5 secondes. 4 secondes. 3 okay, secondes. C'est bon. Bonne année. Ensuite, les symboles. Alors, un paragraphe à l'envers, smiley, TB, ouais. Et ouais. Le HK, je sais pas quoi, le... Allô? Le double trident. Allô, tu m'entends? Oui, double trident. Tu sais, vers le haut, vers le bas. Ah oui, d'accord. Attends, t'as dit paragraphe, TB. J'en dis ça, voilà. Paragraphe, TB, trident et smiley, c'est ça? Ouais, c'est pas un trident, c'est un H avec un I au milieu. Ouais, ok, bah du coup, paragraphe. Ok. TB. Ouais. Le double trident et le smiley. Ok, c'est bon. Ensuite, le Simon, allez hop. Est-ce qu'il y a une voyelle? Voyelle. J'arrive pas à voir. 5 A, oui. Oui, ok, donc loupiote. Bleu. Rouge. Bleu, vert. Rouge, jaune. Bleu, vert, bleu. Rouge, jaune, rouge. Ok, c'est validé. Ok, ensuite, who's on first? Your, Y-O-U-R. Y-O-U-R, milieu droite. Yes. Yes, 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 ok, right, U-H-H-H-H. Stay right. Middle, ok, ensuite. C'est juste la lettre. En haut à droite. Blank. Wait, right, ok, middle, blank. Stay ok. Press. Ok, ensuite. Your Y-O-U apostrophe R-E. Milieu droite. Sure. Sure, tu es où? Tu es là. You are, done, like. You are. Ok, ensuite, memory. 4.
4 boutons en 4ème position, c'est quoi? 2. Ok, ensuite. 3. Première position. 1. Ok. 1. Même libellé qu'à l'étape 2, donc un 1, et c'est quelle position? 3. Ok, ensuite. 4. 4, même position qu'à l'étape 2, donc première position, et c'est quoi? 2. Ok, et enfin. 3. Même libellé qu'à l'étape 4, donc un 2. Le donc suivant, 2. C'est le Morse! Ok. Un long 3 cours, je crois. Un long 3 cours, ok. Bon, ça correspond à plusieurs trucs. Il me faut une lettre supplémentaire. Là, j'ai une, deux... J'ai 6 possibilités, en fait. 3 longs. 3 longs. 3 longs, 3 longs, 3 longs. C'est où, 3 longs? Je vois pas les 3 longs. Là... ok, ça réduit à 2 possibilités. Il me faut une autre il me faut une autre lettre. Un long, 2 cours, un long. Ou un long, 3 cours. Un long 3 cours. Un long 3 cours, c'est encore un B. Essaye 3565. Non. 3535. Mince. Quoi? Voilà, c'est bon, c'est validé. Ok, le labyrinthe. Oui, labyrinthe, ok. C'est le dernier truc. Ah non, après, il y a... Bah, bref. Première ligne, quatrième colonne. Pour le point vert. Ouais, ok, c'est bon. J'ai la configuration du labyrinthe, je pense. Ok, l'autre point vert au cas où, c'est troisième colonne, quatrième ligne. Ouais, ok, c'est bien celui-là. C'est bien celui-là. Point blanc, deuxième colonne, troisième ligne. Ok, donc il est là. Triangle rouge, dernière colonne, quatrième ligne. Ok, trois fois à droite. Trois fois à droite. Ouais. Et ensuite bas droite. Ok. Donc il reste fil à la suite. Ah bah fil à la suite, allons-y. Alors, rouge. C. Ok, mince, j'ai coupé le bleu. Bon, c'est pas grave, c'est la validée. Oui, je fais si. Donc ça m'a coupé un bleu. Noir. A, B ou C. Rouge. B. Noir. A ou C. Ok. Noir. B. Bleu. A ou C. Ok. Rouge. A. Bleu. B. Ok. Donc ça l'a validé. Et il reste quoi? Je vois plus rien. Les diagrammes de Venn probablement. Non. Oui, diagramme de Venn et mot de passe. Alors mot comme tu veux. Mot de passe. Ah putain, il restait que deux modules, t'arrêtes. C'est vrai que finalement la progression par ordre de difficulté croissante, c'était vache, c'était une très bonne idée. C'était une très très bonne idée. On était pas loin. Mais bon, cette bombe là, ce sera malheureusement pas pour aujourd'hui. Puisque nous allons clôturer ce live ici et maintenant. Et très honnêtement, je pensais pas qu'on avancerait aussi vite. Je veux dire, regardez, on était à peine au début de la section 4, on a quasiment terminé la section 5 aujourd'hui. Comme quoi, moi je dis, on était pas mal là. Ouais, franchement, c'est ouais, pas mal. Ouais. Franchement, moi je dis, tu sais quoi, je te propose une poignée de main virtuelle par Facecam, bon travail d'équipe. Bah écoute, je te poigne la main virtuellement. Heureusement que t'as précisé la main. Mais bon, sur ces bonnes paroles, on va refermer le stream aujourd'hui. On va vous remercier d'être venu nous voir faire n'importe quoi pendant 2 heures. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Ouais. Voilà. Donc, ces épisodes seront rediffusés à partir de samedi prochain. Donc, pendant les 3 prochains samedis, ça va être les 3 épisodes que vous avez vus concrètement. Sauf que vous allez avoir le montage avec les deux perspectives en même temps. Donc, si vous voulez voir les détails des bombes et tout ça. Les rediffs sont là pour ça. On se retrouve demain à 16h pour terminer Cuphead. On verra ce qui se passe en fonction du temps que ça nous prend pour battre le diable. Et nous aviserons à ce moment-là. Sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une bonne fin de journée. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye! À bientôt! Au revoir!